Meghan Markle ne comprenait pas pourquoi elle devait jouer un rôle de soutien auprès de la reine et n'aimait pas être sous les projecteurs, a affirmé un auteur royal. Tom Bower, dont la biographie intitulée Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor a été publiée la semaine dernière, a critiqué la duchesse de Sussex pour son entretien scandaleux avec Oprah Winfrey, affirmant que c'était la raison pour laquelle il avait écrit le livre. Il a déclaré que Meghan avait réalisé très rapidement après être devenue membre de la famille royale qu'elle serait mieux à Hollywood où elle pourrait revendiquer un rôle plus central sous les projecteurs. Monsieur Bower a déclaré, je n'aurais pas écrit ce livre si elle n'était pas apparue dans l'émission des Oprah Winfrey, j'ai juste pensé que c'était tellement honteux ce qu'elle a dit, ce que Harry a dit. Je suis monarchiste et je ne pense pas qu'elle devrait être autorisée à dire ces choses sans contestation. C'était scandaleux. Je me suis donc lancé dans ce livre pour découvrir quel genre de personne lance ce genre d'attaque injuste et fausse contre la famille royale. Ce n'est qu'en trouvant tant d'aspects différents de sa vie qui n'étaient pas dans le domaine public que j'ai pu arriver à ma conclusion. Le livre dit la vérité sur Meghan et je pense qu'il est très important de connaître le parcours et la motivation d'une femme qui s'est clairement mariée dans la famille royale parce qu'elle aimait Harry, je n'en doute pas, mais aussi parce qu'elle aime le statut. Point. Mais au final, très vite, elle a découvert qu'elle n'allait pas avoir le statut de numéro 1, ce qu'elle voulait. Il n'y a qu'une seule numéro 1 dans la famille royale et le reste de la famille est là pour soutenir la reine. Meghan n'a pas compris pourquoi elle n'était pas sous les projecteurs et a très vite décidé qu'elle serait mieux à Hollywood. Tom Bower a fait le tour de la promotion de sa nouvelle biographie, provoquant la controverse en racontant certaines des histoires qu'il a incluses dans le livre. S'adressant à Piers Morgan sur Talk TV la semaine dernière, M. Bower a décrit Mme Markle comme une femme intrigante qui a fait quelque chose d'assez épouvantable à la Grande-Bretagne lorsqu'elle a quitté la famille royale. Il a déclaré, « Je pense que c'est une femme très intelligente et intrigante. » À la fin du livre, j'ai réalisé à quel point elle avait réussi. Elle a calculé qu'elle pouvait être un grand succès et en épousant le prince Harry, elle l'a fait. Il représente une réelle menace pour la famille royale. Je pensais juste que cette femme faisait vraiment quelque chose d'assez épouvantable en Grande-Bretagne. Pendant ce temps, on pense que Harry et Meghan ont été invités au château de Balmoral pour rester avec la reine dans les mois à venir. Le monarque est arrivé jeudi dans les Highlands et devrait rester 10 semaines au Craigowan Lodge de Setley. Un initié de Balmoral a déclaré, le personnel a été informé de la liste complète des membres de la famille royale, y compris Harry, Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet. Il se prépare pour les Sussex, cependant, on ne sait pas si les Sussex seront présents aux côtés d'autres membres de la famille royale.